الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc on continue إن شاء الله تعالى notre assise de tafsir de la semaine dernière. Donc de chaque semaine. Et on avait mentionné la dernière fois, on s'était arrêté à la fin de Sourate al-Duha. Donc on avait parlé de Sourate al-Duha. Qui peut me rappeler très rapidement ce qu'on a vu dans Sourate al-Duha? Premièrement, à propos de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa al-Duha. Ou premièrement, au hadith qu'on a évoqué, le hadith de Jundub ibn Sufyan, radiyallahu ta'ala anhu. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler le hadith de Jean de Ibn Sufyan, qu'est-ce qu'on a vu à propos de son explication, pardon. Walakin la hayata liman tunadi. Il y a un proverbe en arabe qui dit la hayata liman tunadi. Point de vie à celui que tu appelles. C'est-à-dire que ce que tu appelles, c'est comme s'il n'était pas vivant. Prophète alayhi salatu wasalam, effectivement. Ishtaka Rasulullah sallallahu alayhi wasalam, fa lam yaqum laylatayn aw thalatha. Il n'a pas reçu de révélation, il n'a pas prié pendant deux nuits ou trois nuits. Non. Il y a une femme parmi les mouchriquines qui s'est moquée de lui en lui disant inni la arju an yakuna shaytanuka qad tarakak. J'espère que c'est ton diable qui t'a abandonné. لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة. J'ai vu qu'il ne t'a pas approché depuis deux ou trois nuits. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a rassuré par cette sourate. Donc, وَالضُّحَى وَالْلَيْلِ إِذَا سَجَى, elle est révélée pour mettre du baume au cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le rassurer. Ensuite, on a dit وَالضُّحَى وَالْلَيْلِ إِذَا سَجَى. Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par الضُّحَى, par l'aube. Qu'est-ce que ça signifie en vérité? Par le jour en entier, ahsanti. Naam. Wallayli idha saja, la nuit et tout ce qu'elle recouvre. Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala le jure? Yani, c'est quoi jawab al-qasam? Naam, il jure pour montrer que ce qui suit a une grande importance. Non, ce qui suit, ce par quoi on jure. Non, pour glorifier la chose par laquelle il jure. Mais pourquoi? C'est quoi le but de... C'est quoi Jawab al-Qasam ici? On a dit les Arabes ils jurent par quelque chose et pour quelque chose. On ne jure jamais pour rien dans la langue des Arabes. Non, pour montrer l'importance de ce qui suit. Non. Ahsanti. Il jure pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas abandonné son serviteur. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ton Seigneur ne t'a pas abandonné. De même qu'il ne t'a pas détesté. Et on a dit ici, il y a un secret de balère à d'éloquence particulièrement étonnant dans le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala » et qu'il n'ait pas dit « Wa ma qalaka ». Il a dit « Il n'a pas abandonné », il n'a pas dit « Il ne t'a pas détesté », il n'a pas dit « Il a dit « Il n'a pas détesté », il n'a pas dit « Il ne t'a pas détesté ». Non. L'au-delà sera meilleur pour toi que cette vie d'ici-bas. Et après, on a vu tout cela dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a promis à son serviteur, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a promis, il lui a nié deux choses, et il lui a promis ensuite deux choses. C'est-à-dire, il a nié deux choses, il a affirmé deux choses. Il a nié qu'il l'ait abandonné ou qu'il l'ait détesté. Et il a affirmé ensuite que l'au-delà sera meilleur pour lui que ce bas monde et que son Seigneur va lui donner tellement de bienfaits, tellement de degrés, tellement de glorification dans l'au-delà, qu'il sera satisfait. Ensuite, on a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a commencé à rappeler au prophète sallallahu alayhi wa sallam les bienfaits qu'il lui a déjà donnés. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Il t'a protégé. Comment est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a accordé refuge au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Déjà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était orphelin. Quand est-ce qu'il a perdu son père? Essayez de répondre du tac au tac comme ça on gagne du temps.
Quand est-ce qu'il a perdu son père, alayhi salatu wassalam? Dans le ventre de sa mère, naam, ahsantum, avant sa naissance. Quand est-ce qu'il a perdu sa mère? Il a perdu sa mère lorsqu'il avait 6 ans, ahsantum, naam, naam, très bien. Et on a dit à ce moment-là, il n'était pas capable de s'assumer lui-même. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, comment est-ce qu'il l'a protégé? On a dit, il y a eu trois étapes. Le refuge qu'Allah, dont Allah subhanahu wa ta'ala parle, il s'est fait en trois étapes. Premièrement, son grand-père Abdul Muttalib. Naam. Ibn Hashim. Ensuite, son oncle Abu Talib. Ibn Abdul Muttalib. Naam. Et après, lorsque son oncle est mort après qu'il ait reçu la prophétie. Donc, bien après qu'il ait reçu la prophétie, son oncle est mort. Vu qu'il a appelé son oncle à la ilaha illallah et que son oncle est mort mécréant. Et qu'il reconnaissait que sa religion était la véritable. Non, sa femme, elle n'est pas considérée dans ce awa, ce refuge qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si effectivement elle l'a énormément soutenu, Khadija, notre mère, qui était la femme qu'il aimait le plus lorsqu'elle était vivante, elle l'a énormément aidée et soutenue, mais elle ne rentre pas dans fa'awa ici. Après son oncle Abu Talib, Allah subhanahu wa ta'ala l'a soutenu par les croyants. Ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala il l'a soutenu par sa victoire et par les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans sourate Al-Anfal, il dit s'ils veulent te tromper, eh bien Allah te suffit, c'est lui qui t'a soutenu par sa victoire et par les croyants. Tayyib, Allah subhanahu wa ta'ala il l'a trouvé égaré. Qu'est-ce que ça signifie égaré? Est-ce que ça signifie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était polythéiste, mécréant ou dans une secte? Hasha walillah. Jamais de la vie. On a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours été monothéiste. Mais le sens de égaré ici, c'est qu'il ne connaissait pas, non, il n'avait pas reçu la révélation. Il ne connaissait pas ce que c'était le livre. Il ne connaissait pas la foi dans le sens islamique. La tadrim al-kitab wa l'iman. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidé en lui montrant le chemin, en lui montrant la voie. Il a révélé pour lui al-kitab al-hikmah, le livre et la sagesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours été sur le tawhid. Du moment où il est sorti du ventre de sa mère jusqu'au moment où il a rendu l'âme, le prophète alayhi salatu wassalam a toujours été sur le tawhid. Il n'y a pas une seule étape de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle il est tombé dans le shirk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours été musulman même avant qu'il soit prophète. Mais ici, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit wa wajadaka dhallan fahada, il t'a trouvé égaré, puis il t'a guidé, ça signifie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas prophète, n'avait pas eu la révélation, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé le kitab wal hikmah, il lui a révélé le livre et la sagesse. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, il t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça dépend des tafsirs. Ça dépend des tafsirs. Certains ils disent que le hikmah c'est la sunna. D'autres ils disent que le hikmah ça revient également au Coran. Ça dépend des tafsirs. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa wajadaka 'ailan fa aghna. Il t'a trouvé pauvre et il t'a enrichi. Et on a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a été enrichi par deux richesses. Qui peut me les rappeler? Deux types de richesses qui ont enrichi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-qana'a, ahsant, ahsant. Al-qana'a, c'est la richesse immatérielle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu énormément de richesses également de son vivant. On a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est passé par certaines étapes où il avait énormément de richesses. Et le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam il a toujours été distingué par le fait qu'il donnait énormément. Les compagnons, ils disaient, il donnait d'une manière, d'une personne qui ne craint pas la pauvreté. Tout ce qu'il avait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donnait. Et il ne refusait jamais rien, alayhi salatu wassalam. On a dit jusqu'à qu'un compagnon un jour il lui a dit, donne-moi le vêtement que tu portes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec plaisir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui avait offert un vêtement en laine. Il venait de le porter, il lui plaisait. Et un des compagnons il a dit, donne-moi ce que tu portes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a enlevé et lui a donné. Il avait l'habitude de ne jamais dire non. Fiki barakallah.
Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a enrichi de par une richesse matérielle qui allait et qui venait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'en est jamais soucié. C'est-à-dire, certaines fois, il avait des richesses matérielles, d'autres fois, il était extrêmement pauvre, à tel point qu'on a mentionné le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait mis deux pierres sur son ventre. Et on va le voir, inshallah ta'ala, dans sourate At-Takathur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, certains compagnons, ils se sont plaints de la famine qui les touchait. Ils ont dit, ya Rasulallah, regarde. Ils ont levé leurs vêtements et ils avaient attaché tous une pierre sur leur ventre, tellement ils avaient faim pour calmer leur faim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a levé son vêtement et il y avait deux pierres sur son ventre. Donc ça montre à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est passé par certaines personnes, par certaines périodes où il avait une famine qui le touchait. Et le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, comme on a dit, Aïcha radhiyallahu ta'ala anha, elle disait parfois 2 mois successifs, il n'y avait pas de fumée dans la maison du messager sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais rassasié de pain d'orge. Et certains compagnons, ils disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais mangé autre. Yani, certaines fois, on ne trouvait même pas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam des dattes de mauvaise qualité pour qu'il se remplisse le ventre avec, tellement c'était la famine. Mais la deuxième richesse, et c'est la plus importante qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée, c'est al-qana'a, c'est le fait de se suffire de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il dit dans le hadith, وَارْضَ بِمَا قَسَمَهُ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. Et satisfait, sois satisfait de ce qu'Allah t'a donné, tu seras la plus riche des personnes. Ne regarde pas ce que les autres ont. Ne regarde pas ce que les autres ont, mais regarde ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné et sois satisfait de ce qu'Allah t'a donné. Et à ce moment-là, tu seras la plus riche des personnes. Et d'ailleurs, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une personne est venue lui demander, lui a dit, Ya Rasulallah, dullani ala amalin. Indique-moi une œuvre qui m'attirerait l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour des gens. Indique-moi une œuvre qui m'attirerait l'amour d'Allah et l'amour des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Azhad fi dunya yuhibbuk Allah. Délaisse ce bas monde. Allah t'aimera. Ne porte pas ce bas monde dans ton cœur. Azhad fi dunya. Fais preuve d'ascétisme. Délaisse ce bas monde. Allah t'aimera. Wazhad fi ma inda an-nas yuhibbuk an-nas. On va le voir, inshallah ta'ala, dans les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Et délaisse ce que les gens possèdent et les gens t'aimeront. Les gens, lorsque tu n'approches pas leur propriété, lorsque tu ne commences pas à les coller dans l'argent, etc., eh bien, ils commencent à t'aimer. Lorsque tu commences à les coller dans ce qui est argent, etc., et là, ils commencent à ne pas t'aimer. Donc, ça prouve que Al-Qana'a, c'est tout le bien. Al-Qana'a, ça rassemble tout le bien. Sois satisfait de ce qu'Allah t'a donné, tu recevras tout le bien dans ce bas monde et dans l'autre. D'ailleurs, on a cité que Al-Hassan al-Basri, radiyallahu ta'ala anhu, qui est un des salafs, un des pieux prédécesseurs, il disait que le verset où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Celui qui fait des bonnes œuvres parmi les croyants, qu'il soit homme ou femme, tout en étant croyant, eh bien nous lui ferons vivre une bonne vie ici-bas. Al-Hassan al-Basri, il a dit, la bonne vie ici-bas, c'est d'avoir al-qana'a, c'est d'avoir la suffisance. Et donc ensuite on a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, après lui avoir mentionné ces bienfaits-là, lui a dit وَمَنْ أَوَاكَ وَهَدَاكَ وَأَغْنَاكَ فَحَقُّهُ مُقَابَلَةُ نِعْمَتِهِ بِالشُّكْرِ. Celui qui t'a accordé refuge, qui t'a guidé, qui t'a donné la richesse, il mérite que tu sois reconnaissant par rapport à ces bienfaits-là qu'il t'a donné. Que tu sois reconnaissant par rapport à ces bienfaits qu'il t'a donné. On a dit les manières d'être reconnaissant, qui peut me les rappeler? Là, on est encore dans la révision du cours d'avant. On n'a pas encore rentré dans le nouveau cours. Qui peut me rappeler rapidement les manières d'être reconnaissant? On a dit, Naam Salat, ça fait partie. Ahsantum. Par la langue, le cœur et les membres. Ahsanti. Naam, ahsanti. Par la langue, le cœur et les membres. La langue, en remerciant Allah subhanahu wa ta'ala et en déclarant le bienfait d'Allah, comme on va voir. فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Lorsqu'une personne, elle vient, elle te dit, ah, oh, subhanallah, comment est-ce que tu as eu ça? Tu dis, c'est بِفَضْلِ ta'ala, c'est par la grâce d'Allah. Lorsqu'une personne, elle vient, elle te dit, oh, comment est-ce qu'on fait pour être comme toi? Tu dis, demande à Allah, tout vient d'Allah. Tu le dis par ta langue. Et tu dis, alhamdulillah. Tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala par ta langue. Par le cœur, en ayant la croyance que tout ce qui vient comme bienfait, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par les membres, en faisant les bonnes œuvres et en utilisant tes membres-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné pour faire le bien. Et c'est cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala ici il mentionne. Comment est-ce que tu remercies Allah par tes membres? En faisant le bien et en ne faisant pas le mal. En te préservant de faire le mal.
Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, yani le sens implicite des versets, c'est « Remercie ton Seigneur qui t'a donné tes bienfaits en ne faisant pas le mal avec ces bienfaits-là. » فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ Quant à l'orphelin, ne le méprise pas. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ Quant à celui qui questionne, qui demande, que ce soit à propos de la religion ou à propos de ce bas monde. Une personne qui vient te poser une question religieuse et toi tu es apte à lui répondre, bien entendu. Ou alors une personne qui vient te demander de l'argent ou une aide financière. Il dit, فَلَا تَنْهَرْ ne le repousse pas, ne le blâme pas. Ne le méprise pas, ne le repousse pas avec force ou avec dureté. Plutôt, أي تزجر بل اقضي حاجته أو رده برفق. Le cheikh, il dit, plutôt, soit tu l'aides dans ce qu'il t'a demandé, ou alors tu le repousses gentiment. Tu le renvoies gentiment, mais ne sois pas dur envers lui. Et ça, on a dit que, on s'était arrêté là la dernière fois, on avait dit qu'aujourd'hui, malheureusement, les gens aujourd'hui, ils poussent le vice à ce niveau-là trop loin. Lorsqu'une personne, elle demande, si tu sais que c'est une personne qui ment, qui est un menteur, qui cache de l'argent derrière lui, eh bien, repousse-le gentiment. Tu lui dis, moi, j'ai rien, désolé. Mais ça ne sert à rien de l'insulter. Des gens, aujourd'hui, ils vont insulter les personnes qui demandent, ou alors ils vont se moquer d'elles, ou alors ils vont leur jeter des choses à la figure. Tout ça, c'est un mauvais comportement qui n'est pas, qui fait pas partie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si la personne, tu sais que c'est un escroc à 100%, repousse-le gentiment. Et si tu peux, eh bien... Yani, si tu ne sais pas si c'est quelqu'un qui est un escroc ou pas, eh bien si tu peux aider-le, c'est meilleur. Parce qu'il faut savoir que ta sadaqa, même si tu vas la donner à un escroc, tant que tu n'es pas sûr, bien entendu, à 100% que ce n'est pas que c'est une personne qui ne le mérite pas, mais si tu doutes, eh bien donne-lui le bénéfice du doute, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, derrière, il va te récompenser. Ta sadaqa, tu la donnes essentiellement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu la donnes pour Allah et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va te récompenser. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, dont le sens est correct, même si certains ont discuté sa chaîne de transmission, qui est rapportée par l'imam Malik dans le Muwatta, donner la personne qui demande, même si elle vous vient sur un cheval. Alors qu'un cheval, à l'époque, c'était cher. Il fallait être parmi les gens aisés pour acheter un cheval. C'est comme si aujourd'hui, on te dit, donne à la personne qui te demande, même s'il te vient en voiture. Aujourd'hui, les gens ils vont dire, non, s'il a pu s'acheter une voiture, c'est qu'il a de l'argent, c'est que... Tu ne sais pas. Tu ne sais pas la situation des gens. Peut-être que... Il y a une période où il était riche et il a pu s'acheter sa voiture et maintenant il est complètement à sec et il n'a plus rien pour se nourrir. Donc ce vice-là d'essayer d'espionner les gens pour voir si on peut leur donner ou pas, c'est un vice qui est poussé trop loin. Si tu es sûr à 100% que c'est quelqu'un qui n'est pas de confiance, ne lui donne pas. Parce qu'également, on a été interdit de donner des sadaqat à ceux qui ne les méritent pas. Mais si tu n'as pas la sûreté ou si tu n'as pas la certitude que c'est une personne qui est... qui ne mérite pas et qu'elle a le bénéfice du doute, alors si tu peux, donne-lui, sinon yani, comme on a dit, avec le bon comportement, repousse-la. Et d'ailleurs, il y a une parole de Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, il y a une histoire que notre cher Ahmed al-Hilali, Abu Ahmed al-Hilali hafidhahullah ta'ala, il répétait souvent une histoire qui est rapportée par Abu Nu'aym dans l'Hilya, qui dit qu'Abdullah ibn Umar, il avait beaucoup d'esclaves. Abdullah ibn Umar, il faut savoir que c'était quelqu'un de très riche. Abdullah ibn Umar, c'était quelqu'un de très riche, mais il avait... chaque nuit, il prenait un prêt. Malgré le fait qu'il avait beaucoup de richesses, chaque nuit, il empruntait de l'argent. Pourquoi ? Il disait parce que, subhanallah, il raconte dans sa biographie, il dit, Abdullah ibn Umar, lorsqu'il venait au matin, il donnait toute sa richesse, fi sabilillah. Tout ce qu'il avait. Il ne laissait pas un centime. Jusqu'à temps qu'arrivé au soir, il n'avait même pas de quoi se nourrir, donc il faisait un prêt pour se nourrir et il disait, je fais un prêt parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis d'aider la personne qui a un prêt jusqu'à qu'elle le rende. Donc en même temps, ça lui permettait d'être dans cette situation-là où Allah subhanahu wa ta'ala aide la personne qui emprunte de l'argent jusqu'à qu'elle le rende. Mais bien sûr, c'est pour la bonne cause. Hein. Ce n'est pas les gens aujourd'hui qui dépensent tout leur argent dans des choses futiles, dans des habits de luxe, etc. Et après, il n'a pas de quoi se nourrir. Lui, il donnait tout en sadaqa. Et Abdullah ibn Umar, comme rapporte Abu Nu'aym dans Hilya, il dit que, ils disent dans sa biographie, qu'il avait beaucoup d'esclaves, donc beaucoup de servants. À l'époque, ça faisait partie de la richesse. Et Abdullah ibn Umar, à chaque fois qu'il voyait un de ses esclaves, un de ses servants, qui était pieux, qui faisait des efforts à la salat, qui faisait des efforts pour assister à la salat, qui était au premier rang dans le masjid,
qui faisait des efforts pour apprendre le Coran, eh bien, il le libérait. Il payait sa caution, il payait sa rançon et il le libérait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et un de ses enfants et ses esclaves, quand ils ont commencé à comprendre ça, mais ils ont commencé à faire semblant. Ils ont commencé à faire semblant que c'était des pieux. Ils ont commencé à faire semblant d'assister au premier rang. Ils ont commencé à faire semblant de prier à l'heure, etc. Et son fils, et lui, Abdullah ibn Omar, il les libérait à chaque fois. Et son fils, il est venu le voir. Il lui a dit, oh mon père, ces gens-là, ils font semblant, ils profitent de ta gentillesse, ils profitent du fait qu'ils savent que tu libères les gens qui sont pieux pour se montrer pieux pour que tu les libères. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne sont pas sincères. Et Abdullah ibn Omar, il a dit une parole qui est restée jusqu'à aujourd'hui. Il a dit, man khada'na lillah, in khada'na lah. Celui qui essaye de nous tromper pour Allah, ou en utilisant la religion d'Allah, eh bien, on se laisse tromper. On se laisse tromper. Celui qui essaye de se tromper en prenant comme excuse la religion d'Allah, on se laisse tromper. Pourquoi? Parce qu'au final, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui récompense. Et nous, on fait les choses pour Allah. Si tu essayes de me tromper par la religion d'Allah, eh bien, je laisse ça à Allah. Et je laisse Allah subhanahu wa ta'ala faire nos comptes. Mais moi, je fais ce qui va me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est une petite parenthèse que je n'avais pas eu le temps de clôturer la dernière fois. Et là, on peut rentrer, inshallah ta'ala, dans le vif du sujet. Le dernier verset de sourate al-Duha, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ مُخْبِرًا عَنْهَا فَإِنَّ التَّحَدُّثَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ دَاعٍ لِشُكْرِهَا وَسَبَبٌ فِي مَحَبَّةِ الْقُلُوبِ لِمَنْ أَسْدَاهَا فَإِنَّ الْقُلُوبَ مَجْبُولَةٌ عَلَى مَحَبَّةِ الْمُحْسِنِ إِلَيْهَا. Donc le dernier verset, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Donc ça fait partie des moyens que Allah subhanahu wa ta'ala rappelle à son prophète sallallahu alayhi wa sallam pour remercier le bienfait qu'il lui a donné. Il dit, quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le en informant, mukhbiran anha, en informant de ce bienfait-là. Parce que le fait de parler des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala appelle à les remercier. Tu vois que par exemple, lorsque tu parles d'une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnée, eh bien tu te rappelles que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te l'a donnée, et donc tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala, ça pousse à les remercier. De même que si une personne par exemple te donne quelque chose, eh bien chaque fois qu'on va t'en parler, ou à chaque fois que toi tu vas en parler, eh bien tu vas dire Barakallah fi fulan, qu'Allah récompense fulan un tel qui m'a donné cette chose-là. Et à chaque fois tu vas lui faire des invocations, à chaque fois que tu vas évoquer cette chose-là. Et bien de même, lorsque tu évoques les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça te pousse à les remercier. Et parmi les meilleures causes de da'wah, parmi les meilleurs arguments de da'wah, c'est de rappeler les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la personne. Parce que l'être humain, malheureusement, il est insouciant. L'être humain, il a été créé de telle sorte à ce que, yani parmi les caractéristiques de l'être humain, c'est quelqu'un qui compte les péchés, qui compte les mauvaises choses, pardon, qui compte les mauvaises choses et qui oublie les bonnes choses. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset, innal insana li rabbihi lakanud, l'homme est certes très ingrat avec son Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire l'ingratitude? Al-Hassan al-Basri il dit, ya'uddu an-niqam wa yansa an-ni'am. Il oublie ou il compte toutes les épreuves qui lui arrivent et il oublie les bienfaits. Donc la qualité de l'être humain, ou la caractéristique de l'être humain, c'est qu'il oublie les bienfaits, et par contre il se concentre uniquement sur les épreuves. Il va te dire, regarde-moi je suis pauvre, regarde-moi je n'ai pas d'argent, regarde-moi j'ai des soucis dans mon travail, regarde-moi ceci, regarde-moi cela. Et il va oublier tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Mais akhi, Allah subhanahu wa ta'ala il te donne la santé, Allah subhanahu wa ta'ala il te donne la vue, il te donne l'ouïe, il t'a donné des enfants, il t'a donné tout ce que... Allah subhanahu wa ta'ala il dit, vous a donné tout ce que vous avez demandé. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, vous ne pourriez les dénombrer. Si tu te mets à compter tous les bienfaits qu'Allah t'a donné, tu ne pourras jamais arriver au bout. Rien que l'oxygène que tu respires, les organes à l'intérieur de ton corps qui filtrent ta nourriture et ta boisson sans même que tu ne le demandes. Ton cœur qui bat, si ton cœur il s'arrête 10 secondes, ton cerveau est privé de sang, tu meurs. C'est quelque chose qui... Tous ces bienfaits-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés, on pourra en parler des heures et des heures et des heures, ça va allonger notre assise. Mais une personne, elle réfléchit juste aux bienfaits qu'elle a en elle-même. Juste dans son corps, elle pourra en compter des milliers et des milliers, si ce n'est des milliards et des milliards. Et pour ça, je vous invite vivement à regarder tout ce qui est les documentaires, etc., scientifiques,
sur la création de l'homme ou sur la création des animaux, etc., vous allez voir à quel point Allah subhanahu wa ta'ala est indulgent envers nous. Sans parler ensuite des astres, sans parler du soleil qui nous éclaire, sans parler de la lune et ses effets sur la terre. Si la lune n'était pas présente, on serait tous engloutis par les marées, parce que c'est la lune qui gère les marées hautes, les marées basses, par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc., etc. Donc tous ces bienfaits-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous les a donnés, et malheureusement on a tendance à les oublier. Donc on doit se rappeler de ces bienfaits-là. Quant aux bienfaits de ton Seigneur, proclame-le. À chaque fois que tu es dans une assise, n'hésite pas à proclamer les bienfaits d'Allah. À chaque fois qu'il t'arrive une chose, n'hésite pas à dire ça vient d'Allah. Et si une personne a quelque chose, elle est heureuse parce qu'elle a obtenu quelque chose, que ce soit un nouveau vêtement ou un nouveau poste ou quelque chose, de l'argent ou quoi, dis-lui ça c'est le bienfait d'Allah. Rappelle-lui le bienfait d'Allah. Wa amma bi ni'mati rabbik fa hadith. On termine avec un dernier point. Si vous méditez bien sur cette sourate, donc comme toutes les sourates du Coran, elles ont énormément de secrets. Énormément de secrets pour la personne qui sait méditer. Et ici, on essaye d'en découvrir ensemble quelques-uns. Lorsque vous méditez sur cette sourate, regardez bien les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, il t'a accordé refuge. Premier bienfait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était orphelin, Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé refuge. Deuxième bienfait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était égaré, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidé, comme on a dit, en lui révélant la législation, en lui révélant le livre. Il t'a trouvé pauvre, et il t'a enrichi. Donc ces trois bienfaits-là, méditez bien dessus. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite ? Dans les remerciements, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Quant à l'orphelin, ne te comporte pas envers lui de manière tyrannique. Ne le méprise pas. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Ne le repousse pas quant à la personne qui demande. Ne le repousse pas violemment. Ne le maltraite pas. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Vous remarquez que Allah subhanahu wa ta'ala ici rappelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire le bien par rapport au bienfait qu'il a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme si on pourrait comprendre d'un sens indirect qu'Allah subhanahu wa ta'ala ici il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, vu que tu as eu ces bienfaits là, n'oublie pas la situation dans laquelle tu étais. Et malheureusement les gens aujourd'hui oublient la situation dans laquelle ils étaient, comme on a dans le célèbre hadith qui est le hadith des trois parmi les enfants d'Israël, et qui est un hadith très long que je vous invite à retrouver dans Riyad al-Salihin ou dans d'autres ouvrages, le Jardin des Vertueux ou d'autres ouvrages comme cela, qui est un hadith qui est très connu, le hadith des trois parmi les enfants d'Israël. On fera, inshallah ta'ala, une assise spécialement pour lire ce hadith. Et là, qui est un hadith qui est très très important. Vous l'avez également dans Kitab al-Tawhid de Ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Ce hadith-là des trois enfants d'Israël, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu mettre à l'épreuve trois parmi les enfants d'Israël. Le premier, il était touché par la lèpre. Le deuxième, il était touché par la calvitie. Il était chauve. Et le troisième, il était touché par la cécité, il était aveugle. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé vers eux chacun un ange. Il leur a dit à chacun d'entre eux, qu'est-ce que tu veux ? Celui qui avait la lèpre, il l'a dit, avant j'étais beau, et avant j'étais sain, j'étais en bonne santé. Et j'ai été touché par cette lèpre-là, et maintenant, les gens, ils me repoussent. Et je veux retrouver mon corps, je veux que cette lèpre-là s'en aille. Et l'ange, ensuite, il l'essuie, il le touche avec sa main, et la personne, elle guérit. Et la lèpre s'en va. Et ensuite, l'ange, il lui dit, qu'est-ce que tu veux comme bienfait ? Il lui dit, je veux des chameaux. Le deuxième, le chauve, il a dit, avant, j'avais une belle chevelure. Et ensuite, maintenant, mes cheveux sont tombés, et je suis chauve et les gens se moquent de moi, je veux retrouver mes cheveux. Donc l'ange, il passe sa main sur lui et il retrouve ses cheveux. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux comme richesse ? Il dit, je veux des vaches. Et le troisième, l'aveugle, il dit, je demande juste à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est le seul qui a évoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Ou plutôt après. Il a dit, avant j'étais aveugle, il a dit, j'étais voyant, maintenant j'ai été touché par la cécité, je suis aveugle. Je veux juste que ma vue revienne. Et l'ange, il passe sa main sur lui et il redevient voyant. Et il lui dit, qu'est-ce que tu veux comme richesse ? Il dit, je veux des chèvres ou des moutons. Et l'ange, ensuite, il revient quelque temps plus tard vers ces trois mêmes personnes dans une autre situation. Il vient en se déguisant une personne pauvre. Il dit, je suis une personne en voyage et je n'ai pas de quoi terminer mon voyage, aide-moi.
Et la première personne et la deuxième personne, donc celui qui était touché par la lèpre et celui qui était chauve, ils repoussent l'ange. Ils lui disent, Al-huquq kathira. On a beaucoup d'impôts, on a beaucoup de choses à donner. On doit donner trop d'argent aux gens, toi on peut rien te donner. Et l'ange, il leur dit aux deux, il leur dit, Ka'anni a'rifuk. C'est comme si je te reconnais. Je te reconnais, toi, c'est pas toi le lépreux que les gens repoussaient, c'est pas toi le chauve dont les gens se moquaient. C'est pas toi qui étais pauvre et les gens te repoussaient, etc. Et les deux, ils disent non. Ils disent cet argent-là, warithtuhu kabiran an kabir, je l'ai reçu de génération en génération, c'est un héritage. Donc ils ont menti. Et l'ange, il leur dit, in kunta kaviban, fasayyarak Allahu ila ma kunt. Il dit, si tu es menteur, si tu mens dans cette prétention-là, qu'Allah te fasse revenir à l'état où tu étais. Et l'aveugle, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'étais aveugle, je ne pouvais pas me guider moi-même. Et Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est le seul qui a évoqué Allah, m'a redonné la vue. Et donc maintenant, je ne vais jamais te blâmer pour une chose que tu auras pris pour Allah ou que tu auras laissé. Prends ce que tu veux et laisse ce que tu veux. Khudh ma shi'ta wa dar ma shi'ta. Et ensuite, l'ange, il lui dit, garde ton argent. Et qu'Allah te bénisse dans cet argent-là parce que vous avez été mis à l'épreuve, vous trois. Allah t'a agréé, il a été satisfait de toi, ô toi l'aveugle, l'ancien aveugle, et il a été en colère contre tes deux amis. Donc tout ça pour dire que les gens oublient facilement la situation dans laquelle ils étaient. Une personne qui était pauvre, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la richesse, eh bien il commence à être tyrannique, il commence à mépriser les gens, il commence à essayer de se vanter par rapport aux gens et à se moquer des gens qui sont pauvres. Une personne qui était sans enfant, il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala nuit et jour. Il disait, si tu nous donnes des enfants, ya Allah, eh bien nous serons pieux, nous ferons salat, nous ferons ceci, nous ferons cela. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne ces enfants-là qu'il attendait, eh bien il revient, il délaisse la salat, il revient vers les péchés qu'il avait promis de délaisser, etc. Une personne qui était en recherche d'un travail, il priait nuit et jour, il jeûnait, il faisait des sadaqat, il disait, Allah, si tu me donnes ce travail-là, je vais au hajj. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le travail, et il s'enrichit, et il a des possessions, il a des richesses, et il ne va jamais au hajj. Et peut-être même qu'il délaisse la religion. Etc., etc. L'être humain est ingrat, et l'être humain oublie la situation dans laquelle il était. Sauf ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde. Et ça, on le voit énormément, malheureusement. On le voit énormément. Des gens, tu les vois, quand ils vont passer le bac, par exemple, c'est la période du bac. Juste avant un examen, ils commencent à prier, ils commencent à jeûner, faire qiyam al-layl, ils lisent le Coran tout le temps, ils invoquent Allah, ils invoquent Allah. Et quand Allah lui donne ce qu'il a, eh bien, pour remercier Allah, qu'est-ce qu'il fait? Il va à la soirée de remise des diplômes où il sait qu'il y aura de l'alcool, il sait qu'il y aura des femmes, il sait qu'il y aura des danses. Il va à cette soirée-là et il délaisse salat. Peut-être même que le jour en entier, il n'aura pas fait salat. De la remise des diplômes. Ça, c'est une situation qui est une caractéristique de toutes les personnes. C'est une caractéristique de toutes les personnes. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala ici, implicitement, il nous rappelle cela. Implicitement, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'oublie pas la situation dans laquelle tu étais. Tu étais orphelin, alors ne méprise pas l'orphelin. Tu étais pauvre, alors ne méprise pas celui qui vient demander. Tu étais égaré. Alors, proclame le bienfait de ton Seigneur. Proclame le bienfait de ton Seigneur sur toutes ces choses-là. Tu étais pauvre, tu étais égaré, ne méprise pas celui qui vient te demander, que ce soit à propos de la religion ou à propos des richesses de ce bas monde. Et bien entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'oubliait jamais d'où il venait. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais oublié d'où il venait. Sallallahu alayhi wa sallam. Il disait, je ne suis que le serviteur d'Allah et son messager. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le plus modeste. Il disait, j'étais un berger et je guidais les troupeaux des gens de Mecca. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé au rang de prophète, alayhi salatu wassalam. Donc on doit avoir ce sens-là dans nos vies. Ne pas oublier d'où on vient. Et ne pas oublier d'où est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a sortis. Et ne jamais utiliser les bienfaits d'Allah pour se moquer de ceux qui ne les ont pas reçus. Ne jamais utiliser les bienfaits d'Allah pour se moquer de ceux qui ne les ont pas reçus. On a terminé le tafsir de Sourate al-Duha, on va passer à la sourate suivante qui est Sourate al-Sharh. Donc, comme d'habitude, tafsir ou Sourate al-Sharh, on va faire la récitation bi-idhnillahi ta'ala pour
Inch'Allah ta'ala, voir les erreurs qui sont fréquemment commises dans cette sourate. A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitani ar-rajim. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Ici, il faut faire attention au dad qui est suivi du dha. Ce n'est pas la même prononciation. Anqadha dhahrak. Anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dhikrak. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Donc la traduction approximative c'est: ne t'avons-nous pas ouvert la poitrine, ô Muhammad? Ici Allah subhanahu wa ta'ala il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne t'avons-nous pas ouvert la poitrine? Alam nashrah laka sadrak. Et on va expliquer ce que ça veut dire. Wa wada'na 'anka wizrak. Et nous t'avons défait de ton fardeau. Nous t'avons soulagé de ton fardeau, alladhi anqadha dhahrak, qui alourdissait ton dos, qui t'accablait. Wa rafa'na laka dhikrak, et nous avons élevé ta mention. Et on va expliquer bismillah tout ce que ça veut dire. Fa inna ma'al 'usri yusra, inna ma'al 'usri yusra. Certes, après la difficulté vient la facilité. Après la difficulté vient la facilité, une deuxième fois. Fa idha faraghta fansab, lorsque tu termines un acte, va vers un deuxième. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. Et vers ton Seigneur espère. Et espère en ton Seigneur. يقول الله تعالى ممتنًا على رسوله صلى الله عليه وسلم أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. استفهام تقرير. أي شرحنا صدرك للإسلام. وهو ناشئ عن شرح صدره الحسي الذي وقع مرتين أولاهما في صغره لما كان مسترضعًا في بني سعد. والثانية ليلة أسري به في مكة بين يدي الإسراء رواهما مسلم ووافقه البخاري في الثانية. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, en rappelant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les bienfaits qu'il lui a donnés. Il lui dit, ne t'avons-nous pas ouvert la poitrine? Et ça revient à la figure de style qu'on a évoquée dans surat al-Duha, ce qu'on appelle en arabe istifham taqrir. Une question qui est rhétorique, qui est posée, malgré le fait que la réponse est connue, mais pour que la personne affirme cette réponse-là. On a dit, c'est à l'exemple d'un père qui dirait à son fils, ne t'ai-je pas éduqué? Ne t'ai-je pas donner ce que tu avais besoin durant ton enfance, ne t'ai-je pas ceci, ne t'ai-je pas cela? La réponse c'est oui. L'enfant il ne peut pas dire non. On ne peut pas, même on ne demande pas à l'enfant de répondre. La réponse elle n'est même pas attendue. Mais c'est pour affirmer la chose là. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala ici il dit, ne t'avons-nous pas ouvert la poitrine? Ça signifie nous t'avons ouvert la poitrine. Qu'est-ce que ça veut dire nous t'avons ouvert la poitrine? C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ça a deux sens. Ça a un sens physique et un sens moral, un sens implicite. Naam, ahsanti. Exactement. Ça a deux sens. Un sens physique et un sens, entre guillemets, moral ou immatériel. Allah subhanahu wa ta'ala, le sens immatériel, le sens moral, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a ouvert la poitrine à l'islam. C'est-à-dire qu'il lui a facilité l'entrée en islam et lui a facilité la prophétie. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a facilité la prophétie. Et le sens physique, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a réellement ouvert la poitrine à deux reprises dans sa vie. Les gens connaissent en général la première reprise, la première étape, mais ils ne connaissent pas la deuxième. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sa poitrine a été fendue à deux reprises dans sa vie. Une fois, lorsqu'il était enfant, lorsqu'il était chez Bani Sa'd, chez la tribu des Bani Sa'd, il était chez Halima al-Sa'diyya, chez sa nourrice qui s'appelait Halima al-Sa'diyya. Vous savez que Amina, la mère du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, durant son enfance, elle confiait le prophète, alayhi salatu wa sallam, à une nourrice qui vivait dans la banlieue de Mecca, ce qu'on pourrait appeler la banlieue de Mecca, dans un peu la campagne. Parce qu'ils avaient l'habitude de laisser leurs enfants chez les nourrices, premièrement parce que dans la campagne, l'arabe, la langue arabe, était mieux préservée. Dans la ville, au sein de Mecca, étant donné que Mecca, c'était une ville qui était cosmopolite, c'était une ville qui était une grande métropole à l'époque, où il y avait déjà le pèlerinage, où les gens venaient de tous les côtés du monde, de tous les coins du monde, pour faire le pèlerinage. Donc l'arabe se mélangeait au non-arabe. Et leur langue aux habitants de cette ville-là, elle s'est un peu effritée, elle s'est un peu, elle a un peu baissé en niveau. Alors que dans les campagnes, ils avaient une langue qui était un peu plus pure, entre guillemets, elle était un peu plus authentique, plus proche de l'arabe littéraire pur. Donc ils laissaient leurs enfants pour qu'ils apprennent l'arabe. Également les arabes, il faut savoir que ils avaient une tradition qui était que les femmes arabes nobles,
elles ne donnaient jamais le sein à leurs enfants. Parce qu'ils considéraient que donner le sein, ça rendait les seins un peu flétris, ou je ne sais pas comment on peut dire ça. Et donc, ils les donnaient à des nourrices qui, elles, se chargeaient de cela. Et donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on peut en comprendre qu'il avait une nourrice qui était Halimatu Sa'diyya. Et lorsqu'il était chez elle, dans la tribu de Bani Sa'd, un jour, il s'amusait avec un de ses amis à l'époque, quand il était enfant. Quand deux personnes grandes sont arrivées et ont attrapé le prophète, alayhi salatu wassalam. Et l'enfant qui était avec lui, il a eu peur, il s'est enfui. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a été pris par ces deux personnes-là. Et il y a une personne qui a ouvert la poitrine du prophète, alayhi salatu wassalam, une véritable opération chirurgicale, à cœur ouvert. Une personne, elle a ouvert la poitrine du prophète, alayhi salatu wassalam. Elle a sorti le cœur du prophète, alayhi salatu wassalam, et elle a commencé à le laver avec de l'eau zamzam. Elle a commencé à laver le cœur du prophète, alayhi salatu wassalam, avec de l'eau de zamzam, et elle a extrait du cœur du prophète, alayhi salatu wassalam, la partie noire. Dans chaque cœur de chaque personne d'entre nous, il y a une partie noire qui est une partie qui va abriter le mal qui est en chacun d'entre nous. En chacun d'entre nous, il y a une partie de mal qui est dans ce cœur-là. Ensuite, plus la personne elle fait du mal, et plus son cœur elle devient noir, jusqu'à que lorsqu'elle arrive à un certain degré de mal, wal'iyadhu billah, tout son cœur est noir. Et lorsqu'il fait des bonnes actions, et ben son cœur, comme il est rapporté dans le hadith authentique, il reçoit un point blanc jusqu'à que son cœur il devienne en entier blanc. Et la personne qui a mélangé entre les bonnes actions et les mauvaises actions, et bien elle a une partie blanc et une partie noire. Le prophète alayhi salatu wassalam, il n'avait pas ces mauvais sentiments-là naturels. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam était pur. Les anges lui ont retiré cette partie-là et lui ont lavé son cœur avec de l'eau de Zamzam. Et une deuxième fois également, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a subi ce qu'on appelle l'Isra wal Mi'raj, le voyage nocturne. Le prophète alayhi salatu wassalam, vous savez qu'au bout de 10 ans, 10 ans après la révélation, le prophète alayhi salatu wassalam, donc lorsqu'il avait 50 ans, il a été déplacé de la Mecque à Jérusalem, al-Masjid al-Aqsa. Il a été déplacé de la Mecque à Jérusalem en une nuit, alors qu'à l'époque ça prenait des mois. Et au moment où il allait être élevé de la Mecque, de Jérusalem, pardon, jusqu'au septième ciel, eh bien, à ce moment-là, deux anges sont venus et lui ont lavé son cœur une nouvelle fois. Et donc, ces deux récits-là, ces deux étapes-là, dans lesquelles le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été lavé par les anges, ils sont rapportés dans Sahih al-Imam Muslim, dans le Sahih de l'Imam Muslim, qui est le deuxième livre le plus authentique d'après le consensus de la communauté. Donc, les personnes qui essayent de faire douter sur ce récit-là, c'est des personnes qui ne connaissent pas l'islam et qui ne connaissent pas la croyance d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Nous croyons que le Bukhari et Muslim, c'est les deux livres les plus authentiques après le Coran. Et c'est ce livre-là, Sahih Muslim, qui abrite ce hadith-là, et Al-Bukhari également, il le confirme. Al-Bukhari, il confirme ce que Muslim a rapporté pour le deuxième récit, c'est-à-dire la nuit de l'Isra. Donc ça veut dire que le deuxième récit, il est confirmé par Al-Bukhari et Muslim. Et un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, c'est le hadith le plus authentique qu'on peut trouver en islam. Al-Iraqi, rahimahullah ta'ala, il dit dans Al-Alfiyah, dans le hadith, il dit « Wa arfa'u sahihi marwiyuhuma » Le degré le plus haut du hadith authentique, c'est ce que rapportent Al-Bukhari et Muslim ensemble. Donc ensuite, le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, Allah, subhanahu wa ta'ala, pardon, il dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Wada'na anka wizrak » Et nous t'avons défait de ce fardeau-là, « Alladhi anqadha dhahrak » qui alourdissait ton dos. « Wada'na ay hatatna anka wizrak wa huwa dhamb alladhi anqadha ay athqala dhahrak » Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a été déchargé de ce fardeau-là, qui alourdissait le dos, qui alourdissait son dos, et qui est les péchés. Le fardeau qui alourdissait son dos, dont Allah subhanahu wa ta'ala parle, c'est les péchés. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a pardonné au prophète alayhi salatu wassalam ses péchés passés comme futurs. Le prophète alayhi salatu wassalam, ses péchés passés comme futurs, ils ont été pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, il dit dans Sourate Al-Fath, « Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar »
وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ. Il dit, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne tout ce qui est passé comme péché et tout ce qui est futur. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Et nous avons élevé ta mention. فَعَلَيْنَا قَدْرَكَ وَجَعَلْنَا لَكَ الثَّنَاءَ الْحَسَنَ. Comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élevé la mention du prophète alayhi salatu wassalam? En élevant son degré. فَعَلَيْنَا قَدْرَكَ. Je me permets de faire une petite parenthèse pour dire qu'il ne me reste plus beaucoup de batterie. J'ai 6% et comme d'habitude, mon chargeur bug. Donc la batterie baisse alors qu'il est en charge. Si ça coupe, inshallah ta'ala, je reprendrai dès que le téléphone sera à nouveau opérationnel. Et je referai, inshallah ta'ala, une assise. Je redirai la prochaine fois ce que j'ai dit pour les personnes qui n'auront pas pu assister à la deuxième partie. Si ça coupe. Donc, ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Nous avons élevé ta mention. Comment? En élevant le degré du prophète, alayhi salatu wassalam. وَجَعَلْنَا لَكَ الثَّنَاءَ الْحَسَنَ. Et nous avons fait que tu reçoives les bonnes éloges, les belles éloges. بِمَا أَشَاءَ اللَّهُ مِنْ مَحَاسِنِ ذِكْرِهِ بَيْنَ النَّاسِ. Du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait propagé les bons caractères du prophète, alayhi salatu wassalam, chez tous les gens. وَبِمَا نَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ ثَنَاءً عَلَيْهِ وَكَرَامَةَ اللَّهِ. Et de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran pour faire les éloges du prophète alayhi salatu wassalam et pour montrer la noblesse du prophète sallallahu alayhi wasallam, pour anoblir le prophète alayhi salatu wassalam, pour élever le degré du prophète sallallahu alayhi wasallam. Et ça, c'est ce qu'on voit. Wa bi ilhami an-nasi at-tahadduth bima jabalahu Allah alayhi min al-mahamid fi awwal nash'atihi. Et du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait inspiré aux gens d'évoquer les qualités du prophète sallallahu alayhi wasallam depuis le début de sa vie alayhi salatu wassalam. Yani dès les premiers moments de sa vie, alayhi salatu wassalam, les gens parlaient déjà de ses qualités. Déjà, les gens parlaient de ses qualités. Au moment de sa naissance, le prophète, alayhi salatu wassalam, était déjà yani, une sorte de miracle. Et son grand-père, Abdul Muttalib, était très heureux de sa naissance. Et il s'est passé un nombre de miracles à la naissance du prophète, alayhi salatu wassalam, dont on parlera, inshallah ta'ala, une prochaine fois, si Allah nous le permet. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était connu comme étant Sadiq al-Amin, le véridique digne de confiance. Le véridique digne de confiance, il était appelé comme cela même chez les polythéistes de l'époque qui ne croyaient pas en Allah, et bien ils reconnaissaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était véridique digne de confiance. Au point où, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la prophétie, comment est-ce qu'il l'a annoncé? Comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé aux gens? Et on va le voir bi'idhnillah dans le tafsir de sourate Tabbat Yada bilahabim wa tab. Comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé aux gens qu'il était prophète? Il est monté sur une montagne. Et il a dit, ô gens, rassemblez-vous. Ô gens, rassemblez-vous. Il a appelé les gens. Et à l'époque, celui qui faisait cela, c'est une personne qui avertissait d'un danger très proche. Les gens qui recouraient à ce genre de méthode, monter sur une montagne et appeler tout le monde, eh bien, c'est qu'il disait qu'il y a une armée qui allait débouler sur la ville et attaquer le village. Et donc les gens, ils se sont tous rassemblés, ils avaient peur, et il est mentionné même dans le hadith que celui qui ne pouvait pas y aller, il envoyait quelqu'un pour y aller. Tellement ça leur a fait peur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voyez-vous, si je vous informais que derrière cette montagne-là se trouvait une armée qui était prête à vous attaquer d'un moment à un autre, est-ce que vous me croirez? Ils ont dit, non, on te croirait, bien sûr qu'on te croirait, tu nous as jamais menti. Tu es connu comme étant le véridique digne de confiance. Il a dit, alors je vous informe que je suis le messager d'Allah qui vous avertit d'un châtiment difficile pour celui qui ne l'obéit pas. Et là, c'est à ce moment-là où son oncle Abu Lahab, la'anatullahi alayhi, lui a dit, tabban lak alihada jama'tana, malheur à toi, puisses-tu périr, est-ce pour cela que tu nous as rassemblés? Donc pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était connu même dans les premiers moments de sa vie pour être quelqu'un de véridique, digne de confiance. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a élevé par cela. Et même après sa mort, alayhi salatu wassalam, même parmi les non-musulmans, on a aujourd'hui des textes de non-musulmans, que ce soit Alphonse de Lamartine, que ce soit Victor Hugo, que ce soit toutes ces personnes-là, tout, qui sont présentées comme étant des lumières, des intellectuels, etc. Ils reconnaissaient le degré du prophète, alayhi salatu wassalam. Ils reconnaissaient le degré du prophète, sallallahu alayhi wassalam, même parmi les non-musulmans, alors que dire de chez les musulmans? On se doit d'aimer le prophète, alayhi salatu wassalam, plus que nos propres personnes. On se doit d'aimer le prophète, alayhi salatu wassalam, plus que nos propres personnes. Et wallahi l'azim, même si Allah ne nous avait pas ordonné d'aimer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on l'aurait aimé. Pourquoi?
Parce que son amour, c'est quelque chose qui est naturel avant d'être législatif, avant d'être dans la législation. Une personne douée de raison, elle ne peut pas ne pas aimer le prophète, alayhi salatu wassalam. Il est impossible pour une personne qui a ne serait-ce qu'une once de raison de ne pas aimer le prophète, alayhi salatu wassalam. C'est impossible. Vraiment, celui qui n'aime pas le prophète, sallallahu alayhi wasallam, c'est quelqu'un qui le fait exprès, c'est quelqu'un qui est malhonnête et hypocrite envers lui-même, tout d'abord avant d'être hypocrite envers les gens. Il dit, l'auteur, il dit: ومن أعظم ذلك أن الله قرن ذكره بذكره في الشهادتين وله في قلوب أمته من المحبة والتعظيم بعد الله تعالى ما ليس لأحد سواه. Il dit, parmi les plus grandes sortes de glorification, je vous annonce que ça va bientôt couper, malheureusement j'ai 1%. Inch'Allah ta'ala, dès que ça reprend, je reprends la connexion au périscope, inch'Allah. Il dit, parmi les plus grands types de glorification qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait qu'il ait associé son évocation à l'évocation d'Allah dans shahadatayn, dans les deux témoignages. Lorsque tu dis la ilaha illallah, nulle divinité n'est digne d'être adorée en dehors d'Allah, tu dis Muhammad Rasulullah, alayhi salatu wassalam. Lorsque tu dis la ilaha illallah, tu dis Muhammad Rasulullah. Tu fais suivre l'attestation de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'évocation du nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme Hassan ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu, qui était le poète du messager sallallahu alayhi wa sallam, le poète officiel des musulmans, il disait, il évoquait cela dans des vers de poésie. Il disait: wa shaqqa lahu min ismihi liyujillahu fa dhul 'arshi mahmudun wa hadha Muhammadu. Il disait, parmi les choses qui montrent que Allah subhanahu wa ta'ala aime le prophète alayhi salatu wassalam, le fait qu'il ait donné au prophète sallallahu alayhi wasallam un nom qui vient de la racine de son propre nom, Al-Mahmoud. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala est digne de louange et digne d'être loué, et le prophète sallallahu alayhi wasallam est appelé Muhammad, celui qui loue abondamment et celui qui est le plus digne d'être loué. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala l'a honoré également du fait que lorsque chaque personne qui fait la prière, chaque personne qui veut faire la prière, chaque personne qui veut adorer Allah subhanahu wa ta'ala, elle est obligée d'évoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement dans l'adhan et dans l'iqama. C'est ce que Hassan ibn Thabit il dit: إذا قال في الخمس المؤذن إذا قال في الخمس المؤذن أشهد. Lorsque le muadhin il dit pour les cinq prières أشهد أن لا إله إلا الله, il est obligé de dire أشهد أن محمد رسول الله. Et également, pour que notre prière soit authentique, on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'intérieur de la prière, à la fin de la salat. Pour ceux qui considèrent que salat ala nabi alayhi salatu wassalam à la fin de la salat, c'est une obligation. Ça, c'est un sujet de divergence entre les écoles juridiques. Donc tout ça pour montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été glorifié à tel point qu'on ne peut pas, dans ces prières-là et dans ces adorations-là, évoquer Allah subhanahu wa ta'ala sans évoquer avec lui le prophète alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est une manière avec laquelle Allah a honoré son messager sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: وَلَهُ فِي قُلُوبِ أُمَّتِهِ مِنَ الْمَحَبَّةِ وَالتَّعْظِيمِ بَعْدَ اللَّهِ تَعَالَى مَا لَيْسَ لِأَحَدٍ سِوَاهُ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dans les cœurs des gens de sa communauté un amour et une glorification après Allah, bien entendu, qui n'est réservé pour personne d'autre, qui n'est égal à aucun autre amour. Il n'y a aucun tyran, aucun roi, aucun prince, aucun président sur la surface de la terre. Il n'y en aura aucun qui a eu l'amour que les gens de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont pour Muhammad. L'amour qu'on a pour notre prophète, alayhi salatu wassalam, il dépasse tous les amours qu'il peut y avoir sur terre. Ceux qui aiment leur président, ils ne l'aimeront jamais comme nous, on aime le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui aiment leur capitaine de leur équipe ou je ne sais quoi, ils ne l'aimeront jamais comme nous, on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même ceux qui aiment leurs idoles, même ceux qui aiment leur chanteur préféré, leur footballeur préféré, ils ne l'aimeront jamais comme nous, on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on a déjà vu une communauté qui pourrait donner son âme pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui pourrait se sacrifier pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'on a déjà vu une communauté qui pourrait placer sa personne en bouclier pour protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il y a certains compagnons dans des batailles pour protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont mis sur lui pour ne pas qu'il reçoive des coups d'épée, à tel point que certains compagnons recevaient 70 coups d'épée, 70 coups d'épée, 70 flèches, 70 lances qu'ils recevaient dans leur dos, et ils restaient, ils ne bougeaient pas pour protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pendant la bataille de Uhud, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été menacé et que les compagnons ont craint pour sa vie, eh bien ils ont commencé à le protéger avec leur propre corps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, lorsqu'ils l'appelaient, ils disaient: bi abi anta wa ummi ya rasulallah, je pourrais donner pour toi mon père et ma mère ya rasulallah. Est-ce qu'il y a déjà une communauté qu'on a vu qui avait cet amour là pour leur leader? Est-ce qu'on a déjà vu une communauté
qui, pour valider leur foi, devaient aimer leur prophète, alayhi salatu salam. Nous, on doit aimer notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour valider notre foi, plus qu'on aime nos propres personnes, plus qu'on aime notre père et nos fils et nos enfants. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, personne d'entre vous n'aura véritablement la foi tant que je ne serai pas aimé, plus aimé pour lui que son père, que son fils et que toute l'humanité. Donc l'amour qu'on a pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un amour qui est inégalé. Et ça découle directement du verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۖ وَقَوْلُهُ ۖ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ وَهُوَ الشِّدَّةُ يُسْرًا أَيْ سُهُولَةً ۖ وَالْفَاءُ فِيهِ فَصِيحَةً تُفْصِحُ عَنْ كَلَامٍ مُقَدَّرٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ الِاسْتِفْهَامُ التَّقْرِيرِيُّ هُنَا ۖ أَيْ إِذَا عَلِمْتَ هَذَا وَتَقَرَّرَ فَاعْلَمْ أَنَّ الْيُسْرَ مُصَاحِبٌ لِلْعُسْرِ ۖ فَالْعُسْرُ الَّذِي عَهِدْتَهُ وَعَلِمْتَهُ سَيَجْعَلُهُ اللَّهُ يُسْرًا والتنكير للتعظيم وفي تكرارها بقوله إن مع العسر يسرا تأكيد لتحقيق اضطراد هذا الوعد وعمومه. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala ensuite il dit, certes après la difficulté vient la facilité. Après la difficulté vient la facilité, il le répète deux fois pour appuyer le fait que chaque difficulté qui t'arrive elle est suivie d'une facilité. إن الأمور إذا التوت وتعقدت نزل القضاء من الفضاء فحلها. Il y a un poète qui le dit, lorsque la situation est difficile et lorsque tu ne vois pas d'issue, et lorsque tout se bloque devant toi, eh bien sache que Allah subhanahu wa ta'ala peut descendre sur toi la solution et que d'un clin d'œil, tous tes problèmes ils peuvent s'éclipser parce que tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala c'est celui qui, lorsqu'il veut une chose, il n'a qu'à lui dire kun, soit et elle est. Amruhu bayna al-kaf wa an-nun, Allah subhanahu wa ta'ala il dit simplement kun et la chose est. Alors est-ce que tu penses qu'une chose est difficile pour Allah? La chose par laquelle tu passes, le problème par lequel tu passes, Allah subhanahu wa ta'ala le voit. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait bien que tu passes par ce problème-là et par cette épreuve-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala est capable de te faciliter ce problème-là. Tu as juste à te tourner vers lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait la promesse à deux reprises. Et ici, il accentue la promesse. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il répète le verset deux fois. Donc c'est pour quelque chose. Inna ma'al usri yusra. Certes, après la difficulté, vient une facilité. Et ici, le fait qu'il ait dit yusra, yusr ici, c'est un mot qui est indéfini en arabe. Et le fait qu'il soit indéfini en arabe, c'est une figure de style qui montre at-ta'zim, qui montre que cette facilité-là qui arrive après la difficulté, c'est une facilité énorme. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala dit après, la petite difficulté qui te touche viendra une très grande facilité, une très grande ouverture. Tout problème qui te touche et toute épreuve qui te touche, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il va la faciliter. Et te soulager de cette épreuve-là obligatoirement parce qu'il t'en a fait la promesse. Donc à chaque fois que tu es touché par une difficulté, rappelle-toi la promesse de ton Seigneur et sois satisfait du destin et dis Qadar Allah ma shaf'al, Allah a destiné et Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut et dis Alhamdulillah, remercie Allah subhanahu wa ta'ala et sache que tout bienfait, toute épreuve est en vérité un bienfait. Toute épreuve par laquelle Allah te touche, c'est en vérité un bienfait et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala aime un serviteur, il le met à l'épreuve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man yuridillahu bi khayra yusib minh. Lorsqu'Allah veut du bien pour une personne, il le met à l'épreuve pour te purifier de tes péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah subhanahu wa ta'ala il met à l'épreuve les serviteurs pour les purifier de leurs péchés jusqu'à qu'ils marchent sur terre sans aucun péché. Tous tes péchés ils sont purifiés sur terre par les épreuves. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également dans le hadith qui rapporte le Nasa'i, inna Allah idha ahabba 'abdan ibtala. Lorsqu'Allah aime un serviteur, il le met à l'épreuve. فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطَ. Celui qui agrée aura l'agrément d'Allah et celui qui se met en colère aura la colère d'Allah. ثُمَّ أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشُكْرِهِ وَالْقِيَامِ بِوَاجِبِ نِعَمِهِ فَقَالَ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. أي إذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر لتعمر أوقاتك كلها بالأعمال الصالحة. La clôture de cette sourate-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à la fin, lorsque tu te détournes, ou lorsque tu finis une œuvre que tu faisais pour Allah, lorsque tu finis une adoration, eh bien va vers une autre adoration. Ne laisse pas, ici ça montre que Allah subhanahu wa ta'ala, il demande d'exploiter le temps à bon escient. Parce que le temps, c'est une valeur qui est très rare. Le temps, c'est un trésor précieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis entre nos mains. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous questionnera à propos de ce trésor-là. Le temps, ce n'est pas quelque chose qu'on a le droit de perdre. Aujourd'hui, les gens, ils perdent leur temps dans n'importe quoi. Il te dit, c'est des passe-temps. On appelle carrément les choses des passe-temps.
Il regarde la télé 24 heures sur 24. Il regarde des émissions de télé qui n'ont aucune valeur. Il regarde des... Vous connaissez mieux que moi ces choses-là, la télé-réalité, les anges, voilà, les diables, voilà, je ne sais pas comment ils s'appellent, de la télé-réalité, etc. Il passe son temps devant ça. Il passe son temps devant ça. Wallah, il y a ajib des personnes qu'on a entendues, des personnes qu'on voit, même personnellement, j'ai des personnes dans ma famille, il reste du matin au soir devant ça. S'il a raté l'épisode, il regarde la rediffusion sur Internet. C'est ajib à quel point aujourd'hui les gens, ils veulent perdre leur temps. Ils courent derrière la perte de temps. Il va acheter de son argent des passe-temps. Entre celui qui regarde ça, celui qui perd son temps à écouter de la musique, celui qui perd son temps à se balader pour rien. On ne dit pas que tu dois vivre comme on a dit, dans un monastère ou quoi. Mais fais, yani, même lorsque tu fais un passe-temps, fais une chose qui est halal. Va te balader dans un parc, regarde la création d'Allah, médite sur la création d'Allah, au lieu de regarder des shayatines tout nus à la télévision qui sont là. John, il a mal parlé à Rachida, et Rachida, elle a dragué Ali, ou je sais pas c'est quoi leur délire. Toutes ces choses-là, c'est des choses sur lesquelles tu vas être questionné devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ton temps que tu perds, tu vas être questionné devant Allah subhanahu wa ta'ala sur le temps que tu as perdu. On demande à chacun, à Allah subhanahu wa ta'ala, de nous faire miséricorde. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il invite le serviteur à remplir son temps des adorations. Comme le poète, il disait, il dit, le temps, c'est la chose la plus précieuse que tu dois préserver. Et je constate que c'est également la chose qui se perd le plus facilement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, il y a deux bienfaits à propos desquels beaucoup de gens sont insouciants, la santé et le temps libre. La santé et le temps libre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, prends de ta vie, Abdullah ibn Umar, il disait, prends de ta bonne santé, du moment où tu es en bonne santé, où tu as du temps libre. Profites-en pour faire le maximum d'œuvres. Pour les moments où tu seras occupé, où tu seras malade. Et profite de ta vie pour le moment où tu seras mort. Donc ce temps-là que tu as et que tu négliges et que tu gaspilles, c'est des occasions que tu perds de te rapprocher de ton Seigneur. C'est des occasions que tu perds de remplir tes provisions pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc au lieu de perdre ton temps dans les futilités, dès que tu termines une adoration, va vers une autre adoration. Lorsque tu termines une prière obligatoire, va faire des prières surrogatoires. Lorsque tu termines le mois du Ramadan obligatoire, eh bien fais les 6 de Shawwal, fais des jeûnes surrogatoires. Lorsque tu termines, Allahu a'lam, de donner ta zakat obligatoire, donne des sadaqat. À chaque fois que tu termines une adoration, fais-en une autre pour que ton temps il soit rempli de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ila rabbika farghab, et espère en ton Seigneur, garde espoir en ton Seigneur. Sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala accepte le repentir. Et Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. Et Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala, il a écrit dans un livre qui est auprès de lui au-dessus du trône, ma miséricorde dépasse ma colère. Allah subhanahu wa ta'ala s'est appelé lui-même Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala est accueillant au repentir. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'a préparé pour toi, ya Abdallah, pour toi, ô serviteur d'Allah, pour toi, ô servante d'Allah, pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Particulièrement, il t'a préparé une place au paradis. Ta place au paradis est prête. Mais ta place aussi en enfer est prête. Ta place au paradis, Allah subhanahu wa ta'ala, il te l'a préparé, il t'a réservé ta place. À toi de faire le maximum pour l'occuper et à toi de faire le maximum pour la prendre. Obéis à Allah subhanahu wa ta'ala pour accéder à cette place-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a préparé au paradis. Et espère en Allah et ne désespère jamais en la miséricorde d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbihi ta'ala. Il dit que l'un d'entre vous ne meurt pas sans qu'il n'ait une bonne opinion d'Allah. Fais en sorte que tu aies tout le temps une bonne opinion d'Allah. Sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux et accueillant au repentir. Repentis-toi, reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'accueillera et Allah subhanahu wa ta'ala acceptera ton repentir tant que tu n'arrives pas, tant que tu ne fais pas ce repentir-là au moment de l'agonie, parce qu'au moment où tu mourras, ça ne servira plus à rien. Et tant que ce repentir-là n'est pas fait au moment de la fin du monde, parce qu'au moment où la fin du monde est déclarée, ça ne servira plus à rien. Tant que tu es encore vivant et tant que la vie est encore devant toi, eh bien, profite de ce temps que tu as devant toi pour te repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et garde espoir en Allah azza wa jal. Wa ila rabbika farghab, espère en ton Seigneur. Nas'Allah tabaraka wa ta'ala an yulhimana rushdana wa an yurzuqana al-firdaws al-a'la. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde la guidée et qu'il nous accorde le plus haut degré de son paradis. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu alayhi wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant, et que les éloges soient sur son prophète ainsi que sur tous ses compagnons. Alhamdulillah. De par la bénédiction d'Allah, les 1% ont tenu jusqu'à la fin du cours. Alhamdulillah. Pour les personnes qui, je ne sais pas si ça a été demandé, mais pour les personnes qui demandent le programme des cours de la semaine, et sur